trouve. Il n'y a pas de type de taquin, mais c'est vrai. Non, c'est entre nous les filles, on se connaît. Non, peut-être que je suis cool ou pas, c'est pourquoi j'ai demandé. Hein? Peut-être que tu chantes un peu, c'est tout. Chanter comme ça, il me paraît. Ta gueule, c'est quand tu te fâches avec qui me plaît même. Non. Non, mais quoi, attends, c'est pas ici là. Oui, c'est du. Voilà. Mais celui-là, il fait beaucoup de concerts, hein. Ladji, merci. Je n'avais plus d'huile ici. Merci beaucoup. Black Rodin et John. C'est un camarade de Koki. Ils sont à l'école ensemble là-bas. Avec qui vient? Bon, ma chérie. Je vais demander à partir. Mais je pars dans 2 jours. Hein. Ça va? D'accord, ça va. Maman, là je vais faire. Ça va, prends le petit peu de temps, mais je vais me verser. Viens, vous la dites, vous la dites. Les jours. Donc, on parle de 2 jours, là, tu vas faire ça. Il est 7h. Ça va. Merci. Je vais laisser moi me prendre, mais. Diable, t'es trop fatigué. Il est 7h. Je vais avoir 200 aujourd'hui pour mon transport. Ah, ce que t'as donné hier, c'est déjà fini. Ah, attends. Tu sais, tantôt on mange là-bas. Puis manger là, c'est cher. 300 le plat, 250. Ah, ah. Merci, Bonjour mademoiselle. Mademoiselle, bonjour. Ah, bonjour monsieur. Ça va? Tu attends un bus? Ah, oui. Tu viens avec moi, je vais te faire déposer. Là. Mon chauffeur va te déposer. Merci monsieur. Je suis un peu pressé, excusez-moi. Non, c'est pour vous déposer. Hein, j'attends mon chauffeur ici. Non, merci monsieur. Vous allez dans quel quartier? Monsieur, excusez-moi, je suis un peu pressé. Non, mais pourquoi te
Tu vas te déposer à domicile. Je vous remercie. Tu as vu quel quartier? Je suis à la cité. Bon, tu peux me donner le numéro par exemple? Tu fais quoi avec? Je viens de la maison. Tu me fais un méchant, hein? Tu me fais un méchant? Ah, les méchants, les... Mais si, je crois, c'est tout. Moi, je suis un homme. Je suis un responsable. Je suis le directeur de cabinet du fort. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Ah ben, mais c'est ça. C'est le 13,52. Ah, 13,52. Oui, oui. Ok, ok. Tout passez là, tout va, vous tournez, il n'y a pas de problème. Vous demandez Karim, c'est tout. Ah, Karim, hein? C'est le nom. Pour qui? Karim. Ah, 13. Hein? Quel numéro tu as dit là? 13,52. 13,52. Ok. Il y a la cité, hein? Oui, il y a la cité. Sinon, je suis le directeur de cabinet du fort. J'attends mon chauffeur comme ça, je lui ai donné rendez-vous à l'arrêt ici. Ah bon? Hein? Non, je passe à la maison. Hein? Il n'y a pas de problème. N'oublie pas. Hein? Faites attention, comme on voit, il est très méchant. Hein? Non, on va arranger ça. D'accord. Hein? Karim, c'est ça? C'est Coquille, Coquille. Ah, Coquille. Au quartier, on m'appelle Coquille. Ah, autant pour moi. D'accord. Donc, je viens, hein? Il n'y a pas de problème. Le soir. Viens, je te dis, viens. Tu me sens que tu fais. C'est quoi ça? T'as vu? T'as vu, hein? T'as vu, t'as vu? Oui! Lizaka! Oui! C'est quoi encore? Où est Koki? Elle est sortie là chez sa camarade. Comment? Elle est partie chez sa camarade à côté ici là. Posez. Posez. C'est Brodeya, tu as montré ton enfant là. Nyamodeya, même Mika, nous le croyons. Si j'ai sorti en paix seulement, vous faites ce que vous voulez là. Hein? Nafa, son école là, c'est gâté. Nafa, j'y avoue là, l'autre jour là, tu n'as pas dit que c'est son camarade? Hein? Mm-hmm. J'étudiais là. Mm-hmm. Donc, quand ces camarades là, vous faites quoi, votre ton camarade? Hein? Moi, vieux Tukupa, j'avoue lui, bouche dans bouche avec Boulakonté là. Voilà, Abina Nisroya. Abina Nisroya. Comment on a... Ebrami. Posez le bas. Il y a mon défaite. Ton enfant, il est parti faire Brodeya. J'ai lui vu même, j'ai lui vu. Je n'ai pas dit que c'est aucun quelqu'un homme qui m'ait parlé. Qui? J'ai lui avis. C'est vrai ça? Bouche dans bouche, même dans les rues là. Hein? Toi aussi. Là, j'ai Gougouba et ton bras qui est en baza. Il faut te cacher un peu. Ça, mon son est gâté. Mais amène à Kosoro. Voilà, il n'y a qu'à prendre là. Si il te donne sainte là, il te fait grossesse là. Vous de là. Et à Flavé, amène à Bonyan, nous ne connaissons pas. On m'a fait qu'on y a mort. Et il y a bien. Toi aussi. Te cacher un peu. Comment tu vas faire sur la route à elle? C'est pas sur la route. Tanti, Tanti, bonsoir. Tanti. Ah, Bazo. Excusez-moi de vous déranger. Non, c'est pas grave. Ça va? Et Koki? Koki. Viens, Bazo est là. Mon fils. Vous vous reposez un peu. Qui est là? Koki, on le met. C'est le camarade de Koki. Bonsoir, papa. C'est un enfant de qui? C'est moi, l'étudiant là, Bazo là. C'est moi qui viens souvent ici là. Ah, elle est dans la cuisine. C'est vous qui viens souvent ici là. Oui, papa. Ah. Et Gabi, on est là. C'est moi le camarade de Koki là. Vous, à l'école, gars.
Hein? J'ai dit, je suis étudiant. Ouais, c'est ça, j'ai demandé. Vous êtes à l'école? Oui, papa. Vous allez quoi? Donc tu prends ton enfant là pour faire brodeya. Dizaka. Nafa, tu mettais dans l'école là. C'est ça que tu donnais un bac à bord comme ça là. Wallahi, ni kabla côté. Ni kabla côté neya. Ni ma gueule franette. Nala. Et maintenant quoi? Toi, ton brodeya, tu vas faire là. C'est pas dans mon lacour ici là. Nya mon détaté. Kafoko, oui, c'est mon camarade. J'ai à voir l'air dans une position dangereuse. À Dala. Son bouche là, il est dans son bouche, dans les rues là. Kafoné Yana. Vous pouvez voir avec moi. Nya mon té frère. Diafoula n'est pas là. Attendez, je suis là, je suis en train de m'habiller là. Je voulais sortir là. Va me prendre un sac de riz. La voiture est ton frère là. Tu n'as pas parlé là, faut-tu parler? Oui. La clé est où maintenant? C'est chez le vieux là, non? Chez le vieux, le cas où on prend d'habitude. Ah bon. Enfin, je vais bien m'habiller quoi. Bon, donc à tout à l'heure. Entrez. Bonjour monsieur. Ah, à nous là. Ok. Lizaka. Koki. Eh bien, dans le signal. Vous n'avez qu'à voir des sièges là. Ah, ça va, monsieur? Oui, ça va. Ça va. Ah, ok. Comme j'ai fait les prix là, okay. Vous n'êtes qu'à t'asseoir. Ok. Merci beaucoup, alors. Vous n'êtes qu'à t'asseoir là-bas. Ça va. Et ta maman n'est pas là? Non, elle est sortie. Ah, okay. Vous n'êtes qu'à me saisir en plein. Ok. Je vous apporte à boire. Non, ça va, merci. J'aime pas. Hein? Ah. Ah. Là. Bonjour, bonjour. Non, vous n'êtes qu'à t'asseoir. Procès ici. Je suis là. Tu as donné de l'eau. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Mais ça va? Oui, ça va un peu. Ah, ok. Ouais. Je suis passé une fois, mais j'ai pas eu l'occasion de te trouver en place. Ah bon? On m'a dit que tu fais un petit commerce. Oui, j'ai fait une petite commerce là. Quelque part. Dans la marché, voilà. Ouais. Ah, ok. Ah. Enfin, je suis le directeur du cabinet. Ah. Enfin, je suis au port ici, je suis directeur du cabinet. Ah bon? Ouais, j'ai fait la connaissance de votre fille. Ah. Alors, je dis, moi, je suis un responsable. Oui. Je ne peux pas quand même. Courtiser une fille. Non, jamais. Tant que jamais. Ne me connaissent pas. Non. Ah, non, mais. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu vraiment faire votre connaissance. Non, vraiment mon béni. Vous dites que je suis avec votre fille, quoi. Non, mais ça, il n'y en a rien. Il voilà. n'y en a rien. Ah, vraiment, merci beaucoup. Donc, c'est pour toi. Oui, c'est ma voiture. J'ai un chauffeur, mais je l'ai libéré tout à l'heure. Ah bon? Ah non. Ça c'est bien. Sinon, vraiment, elle est très gentille. Ouais. Vraiment, ça me plaît. Parce que moi, je donne éducation. Voilà. Si j'adonne que tu ne peux pas m'écouter. Voilà. Non, mais c'est normal. Ah. Parce que si ça ne va pas demain, c'est toi qu'on va accuser. Ah, joue, tu vas. Voilà. Non, mais tu fais bien. Ouais. Ça va. Ouais. En tout cas, elle est bien éduquée. Parce que moi, je ne s'amuse pas déjà. Voilà. Bon. Bon, attends, je vais payer quand même ton petit savon. Pour prendre ce pauvre 5 minutes. Ah non, quand il t'a voir. Ah non. Moi, si c'est l'homme comme ça, là, ça j'ai. Même si vous pouvez venir ici, vous pouvez dormir ici, il n'y en a rien. Okay. Mais petit bacabon là, demande-nous. C'est ça mec qui a gâté les têtes des enfants. Bon, je voulais te demander la permission. Demain, je vais envoyer mon chauffeur venir la chercher. On va manger quelque part. Non, mais ça, il n'y en a pas de problème. Ah, okay. Mais je vois je vois tes explications, un petit affaire là. Ouais, ouais. Non, ne te gêne pas, moi je suis sans façon. Parce qu'on nous a donné un terrain là. Oui. Maintenant, on dit on est quand même des valets là. Ah, on vous a attribué un terrain qu'il faut mettre en valeur. Voilà. Maintenant, les messieurs là, on dit on va nous déracher même. Ah oui, enfin. Parce qu'on dit comme on n'a pas construit. Ah oui, si je comprends bien. Ah oui, le terrain, si vous ne l'avez pas mis en valeur, on vous l'arrache. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est le gouvernement qui a pris cette décision. Hein. Ah, moi, j'ai demandé si tu peux me faire quelque chose de. Mais ça, c'est pas un problème. Ah bon? Non, ça c'est pas un problème, moi je peux arranger ça. Ah non. Non. Je viens à la maison si tu me donnes les papiers. Ouais. Bon, je peux arranger, on va voir ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, ça voilà. Bon, mon appart. Le ministre là. Ouais. Le ministre, il y a Abidjan ici là. Tout le monde me connaît. Ah non. Ami, Goji, du moyen malodet. Ça c'est vrai là même ça. En tout cas, je vais voir, comme elle a un bon niveau, je vais payer un billet d'avion. Elle va aller aux États-Unis aller. Non, mais vraiment, non, ça c'est bien ça. Non, c'est bien. Bon. Non, vraiment, si on s'entend bien, il n'y en a pas de problème. Même aucune homme, il ne peut pas rentrer ici. Oui. Il ne peut pas rentrer. Non, je vais acheter ça, un billet d'avion. Au nom de Dieu. Non. Aucune et quelques homme, il ne peut pas rentrer ici. Parce que j'ai un appartement aux États-Unis. Ouais. Donc, elle va habiter là-bas, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon. Bon, bien. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très heureux de faire ta connaissance. Non, non, ça c'est bien ça. Demain, je vais envoyer mon chauffeur venir la chercher. Bon, si son maman vient, je vais lui parler ça. Bon, je vais. Enfin, pour la vieille. Bon, de toute façon, demain, je vais venir. Ah non, ça la main, il a beaucoup. Okay. Il a beaucoup. Ça, c'est un homme 100%. Parce que la taille, il comprend. Demain, Koji. Mon fils, il faut t'asseoir. C'est ça, on dit Marie là. Tu as voir. L'homme même, je n'ai pas vu pour première fois naître. Ouakele de ma boa. C'est ça, sinon petit vagabond là, ça là c'est pour blaguer, il va te bouffer cadeau. Si maintenant demain tu apprends grossesse là, demain il va dire je n'ai pas assez tout ça là. Hein? Sinon ça il a bon, il a bon. Ah. Ici chez nous là c'est comme ça, on n'a rien. Non, c'est lui. Ici là c'est chez les voisins. Ah d'accord. Je peux vous donner à boire. Ça va, merci. Hey, une sucreriste. Non, merci, ça va. Bon, t'as dit une nouvelle. Il n'y a rien de grave. Je suis venue te voir quoi, pour ce qui s'est passé à la maison la dernière fois avec le vieux. Ce qu'on te dit, ne pas te décourager. Ah, le vieux. Mmh. Hein? Tu sais, lui, il est comme ça, il ne comprend rien. Il faut que ça te décourage. Dans la vie, ce qui t'appartient ne va jamais te laisser. Tu
trompe pas. Si Dieu a écrit que ma fille t'est destinée, c'est toi qui vas la faire. Donc, il ne faut pas te décourager, il faut avoir la foi. Hein? Et pour faire ce bon Dieu, ça va aller. Tu as compris? Oui, tanti. Tanti, vraiment, je ne sais vraiment comment vous remercier. Non. Parce que vraiment, ce n'est pas donner à n'importe qui, se déplacer comme ça jusqu'à moi, un simple étudiant comme ça. Et avec votre état, vraiment, ça me dépasse quoi. Donc, vraiment, je. De toute façon, moi, quand tu cherches quelque chose, il faut être patient. C'est ça. Donc, vraiment, vos paroles là, vraiment, soit aller, disons, mais soit aller droit au cœur. Vraiment, j'en suis ravi. Okay. J'ai compris. D'accord. Bon, c'était pour ça que j'étais venue te voir. Merci, tante. Je vais aller m'occuper de ma cuisine là-bas. Merci beaucoup. J'ai dit bien des choses à Kofi. Je m'en suis parlé, vous me l'avez dit. Au revoir. Koki, écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Vos histoires de directeur, de cabinet, et puis ton papa là, je ne suis pas dedans. Celui que je vois, c'est Gbazo. Arrange-toi pour ne pas les laisser tomber. Fais ce que tu veux avec ton directeur, mais arrange-toi pour ne pas te laisser tomber Gbazo. Tu as compris? Parce que la voie où ton père est en train de te conduire, je suis sûre que ce n'est pas une bonne voie. C'est ce que j'avais à te dire. Tu peux partir. Merci, maman. Ah, je te vois, bonsoir. Eh, hey, c'est un enfant des garçons là. Ah, absolument, c'est ça. Ça va? Oui, ça va. Et ton papa, il est là? Il est là, il est à la maison. Ah. Je viens de à la ministérielle tout de suite là. Ah bon? Oui. Je m'apprêtais même pour aller chez toi comme ça. On dit quoi? C'est le niveau des terrains là. Eh, hey. Ah, terrain, on a ceux qui qu'ils ont des terrains, ils n'ont pas construit dedans, on va les racheter. Ça, vous là. Tout l'argent qui est dedans, tout est fini. Ah! Ouais. Ministre Mokoutane, il peut faire ça? Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit. Terrain, si tu n'as rien construit dedans, même si tu as mis millions dedans, tout est parti. C'est zéro. Bah ça, tu m'as parlé. Ah. Je vais partir voir mon petit là. D'accord. Maman, oui. Ta bombe là, le docteur a dit quoi? Ma fille, il ne va me décourager autant que toutes les plaies ne seront pas finies, il ne va pas enlever la bombe. Comment j'ai dit? Le directeur, tu dis quoi? Ma chère, affaire de directeur là, sincèrement, je ne suis pas pour.
Je préfère Bazo. Oh, papa. Oh. Au moins, il est petit. Vous allez commencer ensemble. Vous allez arriver ensemble. Il a fait le directeur là, je sais pas. Lisaka. Hein? Eh. Ok. Va te dire, tu vas me décomposer chez ton ami là, directeur des cabinets. D'accord. Ah. Tu vas faire quoi là-bas? Ah. Affaire qui est sur mon dos là, c'est pas petit. J'ai apporté chez mon ami à Bakary là. Uh-huh. Boutiquier. On a tout arraché des terrains là. Les noms. Qu'il n'a pas mis de la valeur. Mon vie m'a oyaloune là. Qu'au quatrième, il peut boire au bout. Ah, on a mis des terrains ça. Ah, n'est qu'à ça. Mais on dit, il faut mettre de la valeur. On y m'a bolon, terrain, n'est qu'à, et ta tête où? Hein? Il y a mon dénou, mon peuple. Si je n'ai pas parti voir le directeur des cabinets, là, ça, ils vont racher moi. Tu penses qu'il peut faire quelque chose? Ah! L'homme, même s'il est palais, ministre, même ne peut pas même dire piquini dedans. Hein? Ah, il m'a encore là. Papa est fini. Ah, voilà. Mon fils, c'est bien. Bon, donc, maintenant, ton héros là. Hein. Voilà. Je vais partir, je vais voir lui pour parler tout. Si. Non, là, son nom, Abenanya. Amen. Amen. Ah, bonjour mon petit. Bonjour monsieur. J'ai cherché une l'homme là, on appelait lui Pierre Foula. Moi je ne le connais pas, hein. Moi je cherche du travail. Vous savez le travail? Oui. Parce qu'il dit des directeurs des cabinets là. Je ne dois pas le connaître. Il y a mon des vagabonds à ma foi. Bon, c'est son patron là-bas, allez-y le voir. Ah d'accord, Amédo. Ouais, d'accord. Merci. Allez, balancez vite là. Piquez. Allez-y, ça bien, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, on s'assied, monsieur, là. Il est directeur des cabinets. Vieux Foula. Viens pour là. Hey, celui qui s'en fait, mon fils, là, il est la directeur des cabinets. Directeur des ports. Quoi? Il est directeur de quoi? Directeur des cabinets, des directeurs des apports là. Mais ici, là, je ne vois pas, c'est ça qu'il lance ici. Viens pour là, il est ici, il lance ça. Celui qui cherche ma fille là, ah bon. il a parti faire matimat tout partout. Voilà maintenant. Et quand le il y a monté, quand on va pas.
T'as fou. Tu arrêtes toute vagabonde dans mon maison là. Voilà, voilà son affaire. Hein? Les femmes de maintenant où? Faut dire mon terrain là, il est en bas là chez moi. Attends, il est là. Mais viens, viens. Pardon. Non, parce que pardon. J'ai à moi. Viens. Ça a marché. Vous m'avez demandé, tu me voyais où pour dire ça a marché. Hein? De toute façon, tu fais ton vagabondia, brodeya là. C'est ça que tu as mis ton fille là. Mais c'est la même, c'est. Kata ni la qui trouve ta kata mounou poro ni bella. Gab vagabondo. Mais si la même, il prenait le bro là, il lançait le bro. Bro man, il a l'eau. Gag, directeur. Ah! Hein? Ladji, c'est bien, ça c'est ta faute. Kafoko, c'est ma faute. C'est quoi qui dit que ta fille a directeur de cabinet? Ah, t'es pas moi, c'est pas de Basso. C'est bien, faut marier maintenant ta directeur de cabinet, directeur de cabinet. Voilà, il n'y a pas de cause. Nous, nous connaissons. Nous, nous ça va? Va à la maison. Et tes parents? Sors là. Tiens, t'assieds. Hey, Coqui. Elle est dedans là-bas. Coqui! Ça va? Ça va. Elle est au cou, vous avez repris? Enfin, timidement comme ça, quoi. Et le pire, là, ça va un peu? Ça va mieux maintenant. Comment ça aille? Coqui! Maman! Viens, Basso est là! Mon béni! Papa! Regarde, là! Mais où est Poitiers? Tant pis pour elle, hein! Parce que ça, là, quand quelqu'un veut évoluer, je choix, vite! Ça va? Bon, je vais faire mon prière. La vie a changé. Hein? En tout cas. Pourquoi ça ne tombe pas? Pourtant, hier, j'ai... Oui. Et tu as la facture d'hier, là, tu as la photocopie. Oui. Voilà pourquoi ça ne tombe pas. N'est-il pas André? Oui. Vous avez une lettre pour vous. Ah bon d'accord, merci. Okay. Ton problème, hein, je vais régler ça à midi. Hein. Ok. Merci. Oui, j'étais avec Karim. Ça c'est pas simple, lettre. Hein.
le fameux télégramme. Oui. Monsieur le directeur. Bonjour Paul, ça va? Oui, ça va. Mais quel est ce bruit là tout à l'heure là? Il y a un temps qui vient de perdre son papa. Ah, son papa est mort? Oui. Ça non, c'est quoi? C'est le télégramme. Oh là là, mais c'est dommage. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment là? Bon, écoute, tu as le fond de la caisse noire, non? Bon, tu vas lui faire un prêt de 500 000 francs pour faire les funérailles. D'accord. Bon, ça peut aller, non? Oui, ça peut aller. Tu as un peu de fond? Oui, tu as un peu. Ok, bon, appelle-le-moi. D'accord. Ah oui, c'est dur, hein? La vie, il est si faite. Ah. Merci, monsieur le directeur. Oui. Monsieur Wantin, bonjour. Mes condoléances. Hein. Merci, monsieur. J'ai appris la nouvelle. Bon, la société vous donne 500 000 francs pour faire les funérailles de votre père. Merci, monsieur. C'est dur. Et les obsèques, c'est quand? Peut-être c'est dans 14 jours, hein, mais c'est l'année qui doit décider. Mais je sais que c'est dans 14 jours. Ah, ok. Enfin, je vais consulter mon programme. Si je suis là, bon, je vais voir. Dans le cas contraire, ben, on se verra après. Bon, donc voici 500 000 francs. 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 francs. Vraiment, la condoléance, hein. Merci, hein? Du courage, hein. Merci, monsieur le directeur. Bon, pas, tu me sors le dossier sur la société Black Ivoire, là. Hein? D'accord. Ok. Alors, Wenta. Alors. Sacré Wenta. La balle. Comment mais où on va comme ça? Mais je m'apprêtais à aller chez toi. Tu voyages? Non, non, quel voyage? Ah bon? Je m'apprêtais à aller chez toi pour aller chercher la go là. Ah mais il faut qu'on aille d'abord chez les gens qui donnent crédit là. Crédit pour quoi faire? Ah pour le problème là? Non, mon cher, je suis blindé. Il n'y a rien. Comment? Tu as le pont? Comment? J'ai le pont même. Le pont d'un grand niveau. C'est vrai? Ah bon, d'accord. Ah bon? Ça me dirait moins mal. Mais il faut dire lequel est. Alors les amis, je vous ai dit que je venais avec quelqu'un. C'est pas n'importe qui. Ça s'appelle Sacré Ouinta, le boss. Bon appétit. Salut les gars. Ouais. Le côté du maquis, s'il vous plaît. Bon, base. Le boss veut te voir. Comment ça va? C'est Sacré Win. Oui, comment va? C'est mon unique entretien, Miss Colo. Combien vous gagnez par jour pour ce maquis? C'est 70 000 par jour. Combien? 70 000. Seulement, hein? Pour, c'est-à-dire, toute la journée. Toute la journée, je gagne 70 000. Bon, là, je te file 100 000. Ouais, les 30 000 francs, c'est ton cadeau. Les gars, je vous avais dit. Non,
avec toi. Bon, il faut donner à boire à tout le monde. Pas d'exception. Elle est là, hein? Ouais, non, elle est là. C'est quel nom déjà? Momo. Yes. Ouais. Ah, il n'y a pas de bière, hein? Tu avais déjà. Non, non, tu avais déjà réservé, hein? Ouais, elle donne l'autre bière. Voilà. Tu as vu, on a changé de cadre aujourd'hui. Le temps passé, on était dans les champagnes, dans les tout ça là. Ouais, mais... Oui, c'est dans un bas quartier. Voilà, c'est dans un bas quartier. Il faut faire ça de temps en temps. Miss, un verre pour... un verre supplémentaire. Justement, merci. Mais en tout cas, c'est la créature. Ah ouais. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas de problème. Mais il faut pas. Faut que ce soit créé après. Patientez, hein, ils vont vous servir. Bon, le vin est levé pour toute la jeunesse de ce quartier et surtout pour le maquis Masada. Par l'applaudissement. Ah, bon, chérie, je t'offre ça. Oh là là, comme c'est gentil, chérie. Ça va, ça va très bien. Gazo, c'est la créature. Mais du gars, tu m'as fait honneur. Ah oui, ah oui. Si tu quitteras là, ouais. Les gens dans le quartier vont me toucher. Ah oui. Bien sûr, parce que c'est ça. Si tu veux, si tu veux me mettre président des jeunes du quartier, je suis prêt à te... Tu vas me sponsoriser. Oui, pas de problème. On voit ça. Qui est là? Je l'avais aperçu tout à l'heure là. Oui, il est arrivé. Ah. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, désir. Oui, deux plats de frites. Si on a trop consommé beaucoup de choses. Bon, vous pouvez faire un peu vite parce que nous sommes prêts à partir sur Yamso. Ok. Ouais. Merci. Bon, et pas de choses entrées, tout ça. Hein. On veut seulement deux plats de frites. Tu connais Yam Sokro? Non. Ce serait une chance pour toi de découvrir Yam Sokro. Hein. Bien sûr. Et surtout avec l'hôtel, le président. C'est agréable. Bon, ben après Yam Sokro, j'aurai l'occasion de t'inviter à moi. Ah là, c'est le top. C'est le top de notre voyage. Parce que là, les montagnes, l'air frais. Pour ceux qui sont malades, même, vraiment. Sans aller à l'hôpital, on peut être guéri par la fraîcheur. Ah, là, c'est bien. Vous désirez quoi, comme une boisson? Cocktail, à moi de l'eau. Hein. Je ne veux pas boire de l'eau. Merci. Merci.
Mais on dirait qu'il a fait le couloir, hein, pour passer un plus gros que le mien. Bon, bon appétit. Hein. La facture. Oui, la chambre 124. 57 000. 57 000. 57 000. 10, 20, 30, 40, 50, bon, 60. Bon, voici ça. Bon, ça c'est pour les femmes et pour les garçons. Pas de quoi. Est-ce que vous pouvez m'appeler l'hôtel président Yam Sokro? Voilà, une réservation, je suis en route. Pour moi, t'es un pied. Voilà. Merci beaucoup, hein. Vous êtes gentil. Bon, chérie, il faut laisser tout ça. Ouais. C'est parti. Quelqu'un pour se renseigner là. Bonjour Jérôme. Bonjour monsieur. S'il te plaît, c'est ici le village Blecklisso. Oui, c'est ici. Est-ce que vous savez pas où se passent les funérailles du papa de Wintin-Wintin Pierre? Funérailles du papa de Wintin-Wintin Pierre? Oui. Quoi? Quel Wintin-Wintin Pierre? Non, il est, c'est son village ici, Blecklisso. Oui, je sais. Mais il y a combien de Wintin-Wintin Pierre ici? Est-ce qu'il n'y a pas de décès dans ce village? Non, il n'y a pas de décès. Ça fait bientôt 3 mois, il n'y a pas de décès. Il n'y a pas de décès? Ouais. Et puis d'ailleurs, Wintin-Wintin-Pierre, c'est mon nom. Oui. Si vous voulez, il peut vous conduire à la maison. Ok. C'est près d'ici. Bon, on peut aller en voiture? Non. Voyez, la route est coupée, quoi. Donc la voiture ne peut pas avancer. Ah, ok. Bon, on va à pied. Ouais. Bon, vous fermez là. Hein? Oui. Si c'est fermé, non? Oui, c'est fermé. Ok. Bon, allons-y là.
Bon, mon frère. Oui. J'ai vu ta femme est venue chez moi ici. Mm-hmm. Il m'a dit que tu es parlable avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va même pas du tout, du tout. Il faut lui demander là-bas. Ce qui se passe là, il va te dire. Mais il faut répondre pour toi d'abord. Demandez-lui d'abord. Je ne demande pas. Demandez-lui. On assiste des affaires. Pourquoi je vais lui demander? Pourquoi je vais lui demander? C'est elle qui est venue te voir, non? C'est elle qui est venue te voir premièrement. Je dis, demandez-lui là-bas. Tu as marié femme. Alors si ça ne va pas, tu viens me voir. Mais lui, la femme de Koury vient me voir. Alors donc, je te demande, qu'est-ce qu'il fait là-bas à la maison? Viens, il faut demander femme là. C'est elle qui est venue te dire ce qui ne va pas. Coco. Oui. Monsieur, voici ses parents. Voici son vieux, voici sa vieille. Ah, ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, papa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ok. La peine de vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Bon, il y a des étrangers qui sont venus. Oui. On va les voir encore. Voilà. Pour en plus demander les nouvelles. On va leur donner de l'eau d'abord. Oui. Bon. On a qu'à envoyer un peu d'eau. Non, oui, envoie de l'eau. Ça va. Ok. Bon. Ça va. Tiens. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonjour. Mon fils, demandez une nouvelle là-bas. Monsieur. Oui. Et bonne nouvelle de la journée. Merci. Bon, collègue, on a demandé des nouvelles là. Tu peux annoncer vos nouvelles. Wontan Pierre, mon employé. Oui. Eh bien, il y a une semaine, il nous a dit qu'il a perdu son père, que son papa est mort. Quoi? Alors nous sommes venus aujourd'hui assister à l'enterrement. Viens, tu entends ce qu'il dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Wontan Pierre dit que tu es mort. C'est pas possible. Merde! Et alors? Voilà, moi je suis ici. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, non. C'est son père, ça, non? C'est son père. C'est son père. Et voilà sa mère. Voilà, ta fille. Qu'est-ce que tu viens me faire là? Quand je te parle là, tu n'écoutais pas bien là. Tu vois? Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est, quand je te parle là, tu n'écoutais pas moi. C'est pourquoi que ton enfant fait bêtise. C'est pas possible. Moi, comment elle peut faire des trucs comme ça là? Voilà. Le bien, elle est vivant. Voilà son papa qui est là. Regardez. Il est encore vivant. Il est amoureux de l'argent. La société lui a fait un prêt de 500 000 francs. On lui a donné 500 000 francs pour venir enterrer son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec 500 000 francs? Bon, mon petit. Oui. Voilà ce que ton frère a commencé à faire ça. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Moi-même que je suis là, oui. Depuis il est parti à Abidjan pour aller faire son travail, oui. Il n'est pas vu lui. Moi-même, j'ai parti faire mon petit piège pour aller faire mon rat oui. Pour manger. C'est ça. Je suis là pour faire ça, on vient me dire que moi je suis mort. Voilà, moi je suis là. Il n'a pas mouru. Non, mais c'est pas possible. Ah, ah, c'est mal levé. Mais c'est pas mort. C'est pas mort. C'est pas possible. Actuellement, oui, il est même. Il est venu parmi vous. Ah, ben nous, on le croyait ici à l'enterrement. Ah, c'est pas possible. Il a bouffé l'argent. Est-ce que. Boniface, tu as ton appareil là? Si. Je suis venu. Tu as eu le souvenir. Oui. En tout cas, comme on a trouvé son pas. Mais c'est pas c'est possible. Bien faire, mais faire une photo. Comment tu fais des trucs comme ça? Aïe. Toi, tu es là, quand je parle là, oui. Tu dis oui. Vraiment, déjà. Ton frère est à Abidjan là-bas, il travaille, il va porter l'argent, va ils manger. Faire des trigames, faut pas faire moi, même regarde-moi ça. Envoyer un peu d'argent. Regardez, même, Pierre, je suis moi-même de faire là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me donner coup de bain. Ta maman là, quand je parle, oui, il dit oui, mon fils là, il est habillé là-bas. Bon, le vieux, ouais? Je sais que vraiment toi aussi, tu es déçu comme nous, mais nous sommes plutôt découragés. Mais c'est pas possible, c'est pas un enfant qui va venir me dire que moi, j'ai moi. T'enterrer vivant comme ça? Mais il n'est qu'à venir m'enterrer. Où est-ce qu'il a porté? Où il est? Non, je lui demande cercueil là, où il est. Mais 500 000 francs qu'on lui a donné, il devait acheter cercueil. Il a déjà envoyé cercueil. Donc nous, non, on est je crois que le vieux, on va chercher à demander la route. Oui. Parce que vraiment, le chemin qu'on a parcouru, ce n'est pas un petit chemin. Pour atteindre votre village, c'est pas une mince affaire. En tout cas. Donc comme il se fait tard, viens, assieds-toi. Nous allons chercher à rentrer. On a laissé la voiture à 50 mètres. Ouais. Ouais. Les étrangers qui sont arrivés et demandent à partir. Bon, tu vas donner ça au vieux pour son savon, oui. Mais je vais régler le reste avec son fils Abidjan. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Viens. Bon. Je donne ça pour le savon. Il m'a donné 2000 francs.
On va les remercier. Voilà. Bon. Monsieur, non, le vieux, tout le remerciement est à vous, parce que c'est vous qu'on a enterré vivant. Ton fils a dit que tu... Vraiment, du courage, vieux. Tu es décédé, tu n'es pas décédé, tu es là. Je suis là. Ça, c'est un signe de longue vie. C'est lui-même qui va voir, qui va dépasser. Ok. Bon, donc, merci beaucoup. Ok, merci bien. Vraiment, la route est vraiment mauvaise. Il n'y a même pas la route, on a garé la voiture à 50 km. Oui, oui, oui. Bon, au revoir. Hein. Oui, oui, merci. Au revoir. C'est du bon, hein. Moi, je te parle toujours. C'est pas bonne, bon ce qu'il a fait là. Il n'est pas bon. Il va aller porter tête. On va venir attraper nous tous, toi aussi tu es dedans. Il y a sa belle famille, il sera mieux et quoi. Ouais, nous, tu parles, toi là, tu comptes pas. Sa belle famille, quand il veut attraper l'argent là pour moi. D'accord. Après, on va voir ça. Qu'est-ce que sa manière là? Mais quelle est cette facture? C'est pas possible. Oui, qui est là? Entrez. Oui, monsieur Walter. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, monsieur le directeur. Ah, monsieur Walter. Oui. Bonjour. Ça va? Oui, ça va un peu. Et la funéraille? Vraiment, ça m'a coûté de la peine, hein. J'ai alors acheté des bœufs, même tout ça là. Ah, là, vous avez souffert alors? Ah, vraiment, c'est pas possible. Ah bon? Les gens, même pour me raser, même ils m'ont demandé 100 000, tout ça là. Chez vous, c'est comme ça ça se passe? Ouais. Vraiment. Ah bon. Donc ça s'est bien passé? Ah oui, enfin, il n'y a pas eu de problème, hein, sauf que vraiment, j'ai trop dépensé. J'ai dépassé même les. J'ai eu des crédits même après les 500 000. Ah bon? Vous vous êtes rasé tout ça? Oui, oui. Ça, les funérailles en Afrique, hein, c'est pas une mince affaire. Hein. Même pour me raser, même, ils ont demandé 100 000 francs. Allez, chez nous, c'est comme ça. Mais c'est votre village, c'est bien sûr Blé-Clisson, non? Oui. Ah, mais la route est vraiment impraticable. Ah bon? Oui. Monsieur Wattemote, est-ce que vous connaissez un peu ces gens qui sont dans cette photo? Mais ça, c'est ma famille. Voilà ma mère. Et celle-là aussi. Voilà mon père. Mais la photo fait peut-être 5 à 6 jours. Ah, monsieur Wattemote, est-ce que vous savez que votre père est bel et bien vivant? Enfin, on m'avait dit qu'il était mort, c'est le télégramme que j'ai reçu, mais quand je suis parti maintenant, il n'était pas mort. Ah bon? Et ça vous a rien dit? Monsieur Wattemote, vous avez escroqué la société. Donc, à compter de ce jour, vous ne faites plus partie de l'effectif de cette société. Vous êtes un licencié. Vous êtes un licencié. Les 500 000 francs que vous avez eus, cela vous servira de droit. On ne vous payera plus de droit dans cette société. Vous mentez, vous avez menti à la société. Comme quand vous avez perdu votre père. Je me suis permis de faire 300 km et toutes les difficultés de route. Monsieur Wattemote, voici votre lettre de licenciement. Pardon, monsieur. À compter d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de l'effectif. Pardon, monsieur le directeur. Élevez-vous de mon bureau.
Levez-vous de mon bureau. Des employés intelligents comme vous, nous n'en avons plus besoin. Vous, comme ça, s'il y a deux ou trois dans une société, mais la société va aller en péril. Regardez-moi ça. Ouette, sacré Ouette. Vraiment, merci, merci pour ton geste d'hier. Façon, on a vécu. Il y a des gens qui traînaient même, ils ne pouvaient pas me juger. Les gens m'ont dit, mais ton ami là, c'est un vrai gars. J'ai dit, non, c'est un boss. Mais il y a quoi, tu dis ça va bien? Je sais que c'est la fatigue d'hier. Mon cher, il y a des ennuis. Il y a des problèmes sérieux même. Il faut laisser tout ça là. De toute façon, c'est pas à cause des misses qu'on est là. Non. De toute façon, hier, ça s'est bien passé, même si maintenant, il y a parole. J'ai fini avec elle. C'est pas, il n'y a pas parole entre nous. Hein. C'est pas son problème même. Ah donc, tout c'est après nous là. Entre vous deux, tout s'est bien passé. Oui, oui. Mais il y a un problème, il y a un problème qui me choque là. C'est lequel encore? Tu sais, Guado, nous sommes des amis. Ouais. Et quand on dit l'amitié, c'est une relation sincère. Mais oui, c'est une fraternité. Une fraternité. Moi-même, je préfère dire la vérité à mes amis que mes frères. Ça, je savais qu'il y avait une histoire de jalousie dedans. Non, c'est pas problème. C'est les voisins là. C'est pas problème de jalousie. Mais Bazo, j'ai des problèmes sérieux. Ah. Tu sais, j'ai été renvoyé de mon service. Quoi? Ah ouais, tu dis quoi? J'ai été renvoyé de mon service. Sans aucun droit. Mais pourquoi? Enfin, mais, c'est mais, moi. Mais, j'ai dit c'est un problème de jalousie. C'est pas un problème de jalousie. Parce qu'ils t'ont vu dans le coin là. C'est tout? Tu sais, avant d'avoir cette somme de 500 000 francs qu'on a gaspillé, en tout cas, j'ai fait un mauvais coup à la société. Tu as fait un mauvais coup? Oui, j'ai adressé. Chez vous là-bas là. Ouais, j'ai adressé un télégramme à la société. Comme quoi mon père est mort. Et c'est de suite de ce télégramme, on m'a donné les 500 000 francs. Ah ouais. Mais moi, à ma grande surprise, je n'avais pas pensé en aucun moment que mon directeur allait se rendre au village là-bas, chez nous. Mais le télégramme est arrivé là-bas. C'est arrivé au service. Et c'est au vu de ce télégramme, on m'a donné les 500 000 francs. Donc j'ai dit mon père est mort dans le télégramme. C'est là on m'a donné 500 000. Et malheur pour moi. Tu m'as pas dit ça. Mon directeur même est allé jusqu'au village. Et tu sais, dans les derniers temps, les pluies qui sont venues là, la route est coupée. Ouais, mais c'est tout à fait normal. Donc, le directeur a marché près de 15 à 20 km à pied. Mais c'est ton patron. Tu es un chef de service là-bas aussi. Il est allé là. Malheur pour moi, il trouve même mon papa et ma mère. Tu as vu? Et il leur a pris des photos, c'est grave. Il leur a pris des photos. Vraiment, en tout cas, tu as trop déconné. Bon, pour moi, j'ai joué le jeu. Non, c'est pas le jeu. Je suis allé me raser tout ça, je me suis mis en noir. Je rentre dans son bureau après les 7 jours. Le directeur me montre la photo de mon père et ma mère. Mais Dieu, vraiment, j'étais Mais moi, je t'ai demandé la fois passée. J'ai dit, mais pourquoi tu t'es rasé? Tu dis, à cause de la go, là, tu vas te rajeunir. Ah ouais, mais c'était pas ça. Tu m'as caché tout ça. Je n'ai pas voulu te dire cette vérité. Non, voilà, aujourd'hui, j'ai tous les problèmes. Tu n'as pas été sérieux. Ça, il faut que je te dise la vérité. Tu n'as pas été sérieux. Tu es un grand garçon. Et nous sommes des amis. Et tu aurais pu me souffler ça au moins. Enfin, et moi, je te donnerais des sages conseils. Quand même. En tout cas, j'ai voulu faire ça seul. Enfin, j'ai fait ça seul. C'est grave. C'est grave pour toi et c'est grave pour moi parce que c'est un péché. C'est un péché. C'est comme si on a commis ce péché ensemble. Non, faut pas. Non. Loin de là. De toute façon, faut pas me parler à faire des péchés. C'est quoi? Hein? L'erreur humaine. C'est pas à cause d'une vie. Tu vas aller mentir si ton pauvre père, le vieux n'y est pour rien. Hein? Non, mais je sais que c'est un mal, mais faut pas me parler à faire des péchés. Cette fille-là, où elle est maintenant? Miss Corée, où elle est maintenant? Tu m'emmerdes, hein? Même, tu m'emmerdes. Non, mais c'est pas sérieux ce que tu fais là.
J'ai dit, d'ailleurs même ça va, c'est bien fait pour toi.